Yo les gens, c'est Andov, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va réagir à une vidéo de Tech. On va réagir à une vidéo de Techlead. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo que j'ai regardée il y a hyper longtemps. Je crois que c'était en première année d'études supérieures. Ça s'appelle A Day in the Life of a Google Software Engineer, Silicon Valley, Techlead. Let's go! Alright guys, we got a lot to do today, so let's get moving. Déjà, ça commence bien, bon choix de musique, Chainsmoker, Paris, je kiffe trop. One of the cool things about working at Google is that you have access to every one of their offices in the world. So today, I'm heading to the headquarters in Mountain View. Ah oui, j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient des tours du monde des Google Office. En gros, avec leur badge d'employé, ils ont accès à tous les bureaux de Google dans le monde. Donc c'est vraiment un truc de malade. Ça fait que t'as pas besoin de prendre une tonne de congés pour voyager. Tu peux simplement voyager le week-end, travailler la journée et puis l'après-midi, le soir, juste visiter les villes dans les qualités. C'est vraiment un truc de ouf. Oftentimes, I'll see coworkers taking a trip, maybe to New York or to some other country. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. And they might vacation a week and then work from that office for a week. So that's one of the cooler perks of working for a global company. I might go to Mountain View once every 2 weeks or so. It's a lot more crowded. They've got more food, more cafeterias, but they've also got a lot more people in the. Ooh, les bureaux sont magnifiques. Traffic can be pretty bad getting in and out. Let's check it out. I wanted to show it to you guys. It's time to find some breakfast. Ah, ça va, il arrive plutôt tôt, 7h34, alors qu'il s'est réveillé vers 6h30, je crois. Je pense que c'est ma partie préférée des A Day in the Life as a Software Engineer quand ils sont en train de manger parce que c'est un peu genre t'as envie de voir la cafette, tu vas pour voir. Sachant qu'à Google la nourriture est 100% gratuite pour les employés, c'est un truc de ouf qu'ils aient un buffet aussi gros. Place around here. Let's go get some. J'aime trop cette musique. Ah oui, c'est vrai, ils ont un fossé de dinosaures. C'est ça y est, en référence aux petits dinosaures là qui sautent là quand on n'a pas de connexion internet. This is the game room. DDR, it's great. Oh, c'est un jeu super populaire aux US. Je connais pas du tout, c'est pas ma génération. Honnête, c'est un peu cringe, mais bon, je pense que c'est le truc de sa génération, quoi. Bon, c'est la météo en Californie. So since I don't have a desk here, I usually just find one of these. Damn, 8h21, il a déjà fait tellement de choses. I'm gonna get a bit of work done here, and I'll see you again at lunchtime. Ah, les fameux Google Bike. Franchement, c'est vraiment trop cool d'avoir des vélos comme ça en libre service pour pouvoir bouger d'un building à un autre. Pour avoir essayé, franchement, c'est vraiment le top. Le seul problème, c'est que les gens les garent un petit peu n'importe où, comme, voilà, comme personne va les voler vu que c'est chez Google. Oh, les freins, ils sont pourris. Alright, so now I'm on a bicycle. I heard there's a bowling alley somewhere. So I want to go check that out and see if I can show it to you guys. Yeah, honestly, the first few weeks you're here, it feels like Disneyland. There's a lot of fun buildings to visit. It's cool. C'est vrai qu'on dirait que c'est un parc d'attractions pour les tech bros ou un centre commercial ou même un campus universitaire en vrai. So, more free food. Oh, free coffee. So yeah, they wanted 15 to 20 minutes for a cappuccino. So I'm just gonna skip it. Ooh, bowling alley.
Ah, je crois que t'as mordu là. There's a cafe around here that is reservation only. So let's check it out. So they weren't open yet, but that's fine. There's another cafe I want to show you, which is bigger. C'est vrai que les petites chaises, les petits transats, les petits vélos, ça donne vraiment une vibe de parc d'attraction. Before we do that, I found a garden. We got kale, chili peppers, and just a variety of plants here. It's cool to look at. Alright, found another meeting room. Mais what? 9h41, c'est quoi cette timeline? Il a le temps de faire 2 milliards de choses. A little bit more, and then I'll see you next time at lunchtime. Head over to Charlie's Cafe, which is pretty terrifying for me to go to because it gets crowded so fast. The food's not that great, actually. It's just big, and I thought I would show it to you guys. Sometimes people ask me, is it better to work at YouTube or Google? And in my opinion, I prefer working at the YouTube campus because it's just far less crowded, and the location is nice too. It's right near San Francisco, so you have access to the city. You know, back there I was trying to get a cappuccino and they wanted me to wait 15 to 20 minutes for that. Over at YouTube, you can get it very quick. Now, you don't have as much selection of food. YouTube has only 3 cafes, whereas Google has dozens of them. But how many cafes do you really need, you know? Like, ouais, j'avoue, 3 ça suffit largement. Food's about the same in each one anyway. Most importantly, the traffic is far better over at YouTube. Like here, I had to get in before 8 a.m. and I plan to get out of here before 5 p.m. because if you don't, you'll be stuck here. Figure out where everything was. Not so complicated. Oh, Android Oreo. Ah, du coup, on peut trouver l'année grâce à la version. C'est quelle année? 21 août 2017. Du coup, entre 2017 et 2018, je suppose. En vrai, je suis trop bête, c'est écrit en dessous de la vidéo. 26 février 2018. Ok. Petite chaise colorée. It's lunch time. Les petites, pas les petites chaises colorées. Oh, j'aime trop Indian food. C'est un truc de ouf quand même que tout soit gratuit, quoi. Pour... Genre, buffet à volonté tous les jours. Pizza. C'est clairement à quoi ressemble mon plateau lorsque je suis à un buffet à volonté quoi. Il y a asiatique, américain, italien dans un même plateau. Mais bon. Mais oui, c'est vrai, ils ont des petits jacuzzi, j'avais complètement zappé. C'est vraiment un truc de ouf, surtout pour le vendredi, je pense, genre... Dès que t'as fini toutes tes tâches, tu te poses dans le petit jacuzzi comme ça au travail. Vraiment un prodigie, quoi. We got a bunch of food trucks out here. Let's go take a look. Yeah, I don't know. I'm not even hungry anymore. Let's go take a look around. I'm pretty lost now. I have no clue where I'm going. Oh, free nachos. Et des gratins à l'intérieur aussi de qualité. Head over to the Google store and buy some souvenirs. I earned a few credits the other day when I filled out some user experience survey. So I'm gonna use up those credits
So we're at the merchandise store. This is available to the public. It can be a little difficult to find, so make sure you look it up. C'est marrant de voir qu'une entreprise tech a tellement d'impact sur le monde que porter des habits qui la représentent, ça devient un peu cool. So, let me just show you guys quickly what I bought. It's a thermos, 24 bucks, and three juggling balls. You know, gotta practice that can flip. Ouais, j'ai besoin de practice aussi. Yeah, so the store is really pretty expensive, but there's also a cheaper online shop. And just so you guys know, it's not all fun and games around here. There's also a lot of eating to be done. The campus is open to the public, although you can't enter the buildings. But there is an exception. If you subscribe to my channel and you ever see me on campus, I might just take you out to lunch. So make sure you do that. I'll see you next time. Ok, je pense que cette vidéo est terminée. Je pense qu'il a tourné un A Day in My Life, une journée où il n'avait pas trop de choses à faire parce que, en général, on n'a pas autant de temps libre. Que le but de sa vidéo, c'était plus pour montrer les locaux, le campus de Google dans la Silicon Valley. Vu la qualité des perks, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient travailler une big tech juste pour les bureaux, quoi. C'est vraiment un truc de fou. L'environnement de travail, free food, la piscine, le bowling, la games room, c'est vraiment des petites perks comme ça qui l'air de rien, en fait, ça change... le train de tous les jours. Pour ceux qui connaissent pas Techlead, en gros c'est un ingénieur qui travaille chez Google et ensuite qui est parti chez Facebook. Puis ensuite il est arrivé pas mal de trucs. Je vais bien sûr mettre la chaîne et la vidéo de Techlead en description. Il a pas mal changé de type de contenu depuis. Avant il faisait sur les big tech, maintenant c'est plus orienté finance, crypto-monnaie, des trucs comme ça. Ok, c'est fini pour cette vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner et d'ici là prends soin de toi. Ciao.